Abel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais je vous suis de loin. Tu es la seule fille du team. Oui. C'est bien, il faut garder tes projets en tête et il faut se faire plaisir, c'est le plus important. Vous avez participé au salon de la moto à Gien et à l'exposition de moto ancienne sur Briard aussi. Ouais. Tu es fan d'Ilia Lancelot depuis un moment, c'est ton exemple. Ouais. Ça fait du bien de reprendre les entraînements. Ouais, c'est sympa. Hein. On est à Barlieu aujourd'hui avec le team NSGO. Est-ce que tu as travaillé ton physique, ma belle, pendant le confinement? Oui, j'ai fait du vélo et tout. Ouais. T'as fait un peu d'abdos? Oui. Ouais. Tu es inscrit dans quel club? D'accord. Tu veux faire quel championnat cette année? Donc du coup ça va être un petit peu repoussé tout ça. L'année dernière, tu as fait 5e au championnat de ligue, c'est ça? Tu as eu des galères un petit peu avec ta moto l'année dernière? Non, pas spécialement. Elle est un peu petite? Ouais. D'accord, du coup c'est pour ça que tu passes en 125 cette année. Quels sont tes projets? C'est bien d'avoir des projets comme ça, c'est ce qui donne de la force. T'as des infos sur les prochaines courses? Je reprends le mois d'octobre. Ouais. À Foulée. Ouais. Et je m'entraîne. Tu vas t'entraîner tout l'été pour du coup revenir encore plus forte au mois d'octobre. T'as des partenaires à remercier? Mon papa, ouais, c'est un premier. Ouais. Merci à toi Nina, et je te laisse aller t'entraîner et garde le sourire, ma belle. Fais-toi plaisir. À bientôt.